Elisabeth! Ah, Elisabeth, voilà. Peux-tu dire à ta sœur que sa robe lui va à ravir? Elle ne me croit pas. Et ton père lui refuse l'attention qu'elle mérite. J'ai l'air d'une petite fille. Oui, mais ça, c'est pas la robe. Enfin, Elisabeth, est-ce vraiment une chose à dire à sa sœur un jour comme aujourd'hui? Non, vous avez raison, un jour comme aujourd'hui, mieux vaut ne rien dire. Il arrive! Le capitaine arrive! Je ne peux pas garder cette robe! Aidez-moi à l'enlever! Mademoiselle Beaugrand. Capitaine, je croyais que la ponctualité était la première des vertus militaires. Ah non, c'est le courage. Et vous voyez que je n'en manque pas puisque me voilà devant vous. Quelle piètre observatrice je fais. Je vous croyais désinvolte, je vous découvre insolent. Et j'ai encore tout un tas de qualités que vous ignorez. Je l'espère, capitaine. Trop d'hommes se laissent aller à croire que le monde leur appartient en échange d'un sourire. Trop d'hommes, effectivement. Pardon. Alors, imoto no konyakusha ga sensou ni karidasareta. Vous m'écrirez ? Tous les jours. Un séducteur. Ma très chère Pauline. Encerclée par 2000 soldats qui donneront la... Il est revenu. Vous êtes mort en héros. Toute la ville le croit. Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. Des dizaines d'éléphants emportés comme ça, comme des petites pailles. Partir. Non. Les jalouses de votre sœur. Vous avez tort, vous écrivez, je peux vous détruire. Très bien. À vous demander solennellement la main de votre fille, Elisabeth. Les héros sont les héros.